Yo les potes, c'est Loupé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme t'as pu voir mon pote, bah voilà, on a sorti la tenue, la petite tenue du FC Nantes. Et comme tu t'en doutes, au titre de la vidéo aujourd'hui, on va faire un match avec mon équipe de cœur. Donc voilà, le FC Nantes, ça doit faire, 10, 11, 12 ans quoi, que je les supporte. Je sais pas, depuis que j'ai 5, 6 ans, je dois aller voir les matchs l'été, donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc aujourd'hui, bah je me suis dit, pourquoi pas les tester sur FUT, voir ce qu'ils donnent, voir s'ils sont chauds ou pas. Donc du coup, j'ai fait à peu près l'équipe type du FC Nantes. Alors ce qu'il faut savoir, donc en gros là, les petites modifs qu'il y a en général. Donc là en général on a du Lucas Lima, sauf que Lucas Lima il coûte très très cher sur FUT, il coûte presque 10 000 crédits. Donc j'ai dit non merci, on va mettre moins B. Donc voilà, c'est la doublure. Ensuite là en général, ce qu'il nous fait, donc là on a du Valentin Rongier, mais il est un petit peu moins bon que Sergio Oliveira. Du coup allez, je me suis dit pourquoi pas mettre Sergio Oliveira. Et puis en général là en fait on a Nakunma qui en attaque à la place de Bamoud Salah, ça dépend des deux. Et du coup en général là on a du Thomasson, mais voilà, sinon cette équipe est plutôt assez cohérente. Voilà, c'est, ils jouent quand même parfois ces joueurs, donc voilà, je vous la présente rapidement. Alors au goal on a du Rémi Rioux, donc voilà, il a perdu sa place de titulaire ces derniers temps, c'est le jeune Maxime Dupé qui l'a remplacé, mais voilà, j'ai quand même voulu le mettre en tant qu'ancien capitaine, donc voilà, il est bien là. Ensuite à droite on a du Léo Dubois, donc voilà, très très bon défenseur, voilà, il est très très fort, il a que 20 ans, beaucoup de marge de progression encore, donc voilà, très bon joueur. Après pareil, on a JJ, donc voilà, il est très jeune aussi, issu du fond de centre de formation, pardon, comme Léo Dubois, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Avec à côté le monstre Diego Carlos, donc voilà, lui je pense que l'année prochaine il risque d'avoir des stats, mais des stats sur le prochain FIFA, regardez-moi, 69 de vitesse, 73 de défense, 79 de physique, il peut devenir très très chaud le petit. À côté de lui on a moins B, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il joue pas souvent, même très rarement, mais il est plutôt, il est un bon remplaçant, on va dire ça comme ça. Donc après on a Nakunma, donc voilà, le Burkinabé, c'est ça? Ouais c'est ça, le Burkinabé qui a rejoint le FC Nantes cet été. Voilà, regardez-moi ses stats sur FUT, il est vraiment pas mauvais. Donc voilà, Nakunma en milieu gauche. Ensuite le milieu Sergio Oliveira, donc voilà, lui il joue pas beaucoup, il rentre souvent en fin de match, mais il a des très bonnes stats, voilà, il est assez rapide, enfin vitesse correcte, mais après il est, voilà, bonne qualité de passe, bonne qualité de dribble, bonne qualité de tir, voilà, on va dire que c'est plutôt correct. À côté de lui, on a le capitaine actuel, du coup, Guillaume Gillet, qui a des stats très très homogènes, voilà. Il est très bon défensivement, très bon offensivement, voilà, il est bon partout, on peut se le dire. Ensuite, à droite, on a Felipe Pardo, donc lui aussi, le Colombien qui a rejoué le FC Nantes au Mercato Hivernal, donc voilà, des très bonnes stats, lui aussi, très bonne vitesse, gros physique, bonne frappe. Donc voilà, un très bon joueur. Et puis en attaque, on a du Emiliano Sala. Donc voilà, l'ancien buteur vedette avant que Nakunma arrive du FC Nantes. Mais reste très performant, très gros physique, bonne qualité de frappe. Vitesse, voilà, c'est pas top. Mais voilà, ça reste quand même un très bon attaquant. Et puis ensuite, en buteur, on a Yacine Bamou, voilà, qui l'a depuis pas mal. Il est souvent remplaçant, mais là, il a repris un peu une place de titulaire. Enfin, faut savoir, ça évolue beaucoup, il n'y a pas une équipe fixe. Donc voilà, l'équipe à quoi on peut ressembler. On peut remarquer que niveau, niveau vitesse, c'est pas top top les attaquants. Donc on va peut-être pas trop compter sur eux pour des balles en profondeur. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc allez les potes, on va directement lancer un petit match simple en ligne. Et puis voilà, on espère que l'adversaire va pas être trop fort. Ok les potes, on a trouvé notre adversaire et on voit qu'on tombe face à une team full Marseille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas trouvé d'adversaire en match simple, ça m'a gavé de ouf. Du coup je me suis dit allez go en division, sauf que j'ai pas fait gaffe, mais je suis en division 2. Voilà, on va essayer de gagner quand même, ça va être très compliqué. Nous on a fait une team OM, lui a fait une team, non, nous on a fait une team Nantes, lui a fait une team OM. On va voir ce que ça donne, Nantes vs OM, un classique du championnat de Ligue 1. On va essayer de faire du sale, hein. Ça va être dur, en plus on est en division 2, mais voilà, l'espoir est permis. Waouh, première frappe de mon adversaire. Bel arrêt de Rémi Rioux. Oula, ça lag, mais ça lag. C'est quoi ça, punaise? Eh gros, je suis une frappe, ça lag pile poil au moment où je fais la tête. Allez, c'est pas grave, un petit but, ça va se remonter rapidement. Hop, on va essayer de se concentrer un maximum.
Voilà, bien joué, bien joué, bien joué. Non, ça c'est mal joué. Ah, ça c'est très mal joué ça. Allez, attention, attention. Oh là, attention, attention, il est passé, il est passé, il est passé. Hop, en retrait, en retrait, en retrait. Attention, attention. Mais oui, attention, putain. C'est quoi ça? On laisse marquer, c'est nimpe. Ok les potes, donc c'est bon, on est à la mi-temps. Voilà, c'est assez tendu. J'ai pas trop tiré, mais voilà. J'ai la possession, on construit plutôt pas mal. Le mec n'a pas l'air d'être trop fort, donc voilà, on va essayer de réagir en seconde période. Et puis on espère que voilà, on va réussir à mettre ce petit but qui ferait plutôt plaisir. Allez, bien joué ça. Allez, la petite tête, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Le petit 1-2, tac, comme ça. Allez, Nakulma, allez, Nakulma, allez, Nakulma, t'es parti. Hop, on s'arrête, tac, on stop, on enroule. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Punaise, dommage. Allez, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué vers Nakulma, le petit 1-2. Vers Emiliano Sala, non, c'est bon, Nakulma qui a encore la balle, Nakulma qui croise, et non. Oh, le raté exceptionnel. Oh, quel raté, putain. Oh, attention, 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 il est parti. Il est parti, il est parti, le petit Ovin. Il est parti, hop. Et on a très bien joué le coup avec Rémi Ryu. Ça, c'est bien joué. Hop, on l'a tiré. Et puis, en fait, voilà, on est rentré après. C'était nickel. Ouh, bien joué, gardien. Eh ouais, les potes, c'est fini. Voilà, c'est dommage, franchement, il y aurait peut-être eu la place de mettre un petit but. Mais voilà, faut avouer, mon adversaire, il a bien géré son avance, il a bien joué les coups. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bon, en principe, faut que je gagne encore 3 matchs pour me maintenir. Ça devrait le faire sans souci. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal, hein, perdre 2-1 en division 2, c'est pas dégueu. Donc voilà les potes, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec le FC Nantes. Voilà, avec mon équipe de cœur, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite équipe comme ça. Et puis quand ça va mal, tu vois, tu sors le maillot et tu joues avec cette équipe. Et puis voilà, ça va tout de suite mieux après. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous supportez, quelle est votre équipe de cœur, pour qui vous êtes, pour qui vous encouragez à fond, qui vous êtes derrière quoi tout simplement. Et puis moi voilà les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, voilà, si ce genre de vidéo un petit peu plus original où je joue avec des équipes comme ça, pourquoi pas vous plaît, pourquoi pas refaire d'autres épisodes. N'hésitez pas à me dire voilà si vous avez des idées dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, je vous réponds à tous, vous savez bien. Donc voilà les potes, allez, en tout cas moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Looper, ciao tout le monde.